tous. Des nuits difficiles parce que nous recevions des menaces à cause de ce que nous faisions, à cause de nos critiques, nos prises de position. Nous étions traités d'être utilisés par certaines puissances étrangères pour soi-disant déstabiliser nos institutions. Et cela faisait mal, faisait craindre. Et puis à moi, comme membre de la famille. Voilà. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ici représentée. Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains. Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie nationale. Excellence, Monsieur le ministre des Communications et Médias, porte-parole du gouvernement, représenté, mais qui promet d'être là incessamment. Excellence, Madame la ministre déléguée en charge des personnes vulnérables ici représentées, Monsieur le chargé des missions du président de la République, Monsieur le procureur général de Kinshasa, Gombe et Matete, Monsieur l'inspecteur général de l'inspection générale des finances, chef des services, Monsieur le secrétaire exécutif de la cellule de renseignement financier CNRF, Monsieur le bourgmestre des communes de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations non gouvernementales des droits de l'homme et mouvements citoyens, Mesdames et Messieurs les responsables des organes de presse ici représentés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, au nom de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Kajansi, qui commémore ces jours, ces 10 ans d'existence, je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans ce cadre somptueux de la salle Chaubeuse de Kinshasa. Votre présence distinguées et nombreuses constituent un témoignage de ce que la cage, loin d'être stéréotype, peut continuer à bénéficier de votre accompagnement dans l'apostolat qu'elle s'est assignée depuis une dizaine d'années au service du bien-être collectif. Soyez infiniment remerciés pour cette marque de confiance et des soutiens qui vient en écho du préambule de notre Constitution,
qui considère que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays, et par conséquent, annule notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, défendre l'homme partout et sans cesse est un devoir sacré. Oui, l'homme, ses droits, sa liberté et sa dignité. C'est le choix qu'a fait à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, il y a de cela 10 ans, un groupe de jeunes juristes en décidant de créer l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJASTI, ce dans un environnement politico-institutionnel versé dans la criminalisation de l'exercice des libertés publiques. C'est ici l'occasion pour moi de saluer chaleureusement toutes mes sœurs et tous mes frères présents dans cette salle qui, avec un courage exemplaire, consacrent leur vie à ces combats de chaque jour et de toujours, souvent nourris de preuves et de souffrances parfois fatales. Tel a été malheureusement le triste sort réservé à notre regretté Floribert Tshebeya Bahizire, un des pionniers des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC, et son compagnon Fidel Bazana, fauché sauvagement par des disciples de l'intolérance et de la pensée unique. Pour que pareil crime ne se reproduise dans notre pays, et au regard des témoignages et éléments nouveaux enregistrés, la CAJE en appelle vivement à la réouverture sans délai du procès pour la manifestation de la vérité qui permettrait enfin aux familles éplorées de réaliser sereinement le travail du deuil. En mémoire de ces vaillants défenseurs des droits humains, tués en plein exercice de leur sacerdoce, j'invite très respectueusement l'assistance à observer une minute de silence. À tous les compagnons de la CAJE, oui, ces femmes et ces hommes de valeur ont tous, tiennent et tiendront davantage à ce que les droits de l'homme soient pour la RDC un guide pour la politique de gouvernement, un phare pour l'espoir des Congolais. Les anniversaires se valent. Les anniversaires ne valent que ce qu'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir en vue de continuer à réveiller les consciences et à dessiner de nouveaux chemins. Ce qui importe, c'est de réfléchir continuellement ensemble sur le droit de l'homme tel qu'il doit avancer et progresser, de renforcer les socles humanistes sur lesquels nous voulons bâtir les Congos d'aujourd'hui et de demain. La défense des droits de l'homme est un combat qui nous concerne tous. L'un des tout premiers codes de loi de l'histoire de l'humanité, à savoir les codes d'Hammurabi, commence, il y a de cela plus de 3800 ans, par ces mots. J'ai établi ces codes de loi pour la protection du faible devant les forts. La CAJE en a fait son credo depuis 10 ans. Mais
et des luttes, d'efforts et des sacrifices ont été nécessaires pour faire admettre dans notre pays l'idée que chacun, sans considération d'origine ou de sexe, est titulaire de droits imprescriptibles. Des droits qui sont une part de notre humanité. Des droits auxquels on ne peut porter atteinte sans porter atteinte à l'essence même de l'homme. Ces combats de plusieurs années, aux côtés d'autres organisations sœurs, de personnalités de plusieurs professions, portent des modestes mais des importants fruits. S'ils ne sont pas encore devenus réalité pour tous, beaucoup s'en font, les droits de l'homme constituent désormais en République démocratique du Congo une aspiration nationale. Pour autant, soyons lucides. Les principes proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme sont encore bafoués dans plusieurs points de notre pays. Trop souvent, les citoyens sont réduits au silence, la liberté d'expression est violée, l'administration de la justice souvent arbitraire, et plusieurs de ces décisions ne sont pas exécutées à cause des multiples trafics d'influence politique qui persistent. Des guerres et des conflits armés font rage. Dans un tel environnement où le combat pour les droits de l'être humain est toujours d'une violente actualité, vous vous posez la question légitime de savoir quelle a été la contribution de la CAJ au fait de s'assurer que les principes posés par la Déclaration universelle des droits de l'homme sont non seulement universels, mais également indivisibles, et que chacun peut prévaloir, se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées par la Constitution de la République démocratique du Congo. En effet, les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels forment un tout indivisible. Par ailleurs, chacun sait que la pauvreté, le sous-développement sont des mots, des mauvais terreaux pour les libertés individuelles. La misère, qui touche encore plus d'un Congolais, constitue en elle-même une atteinte inacceptable à la dignité humaine. Comment peut-on parler des droits de l'homme alors que la plus imprescriptible, à savoir les droits de manger à sa faim, par exemple, reste inaccessible pour plusieurs familles congolaises jusqu'à ce jour et surtout à cause de la cherté des prix des produits de première nécessité. Nonobstant cela, en 10 ans, la CAJ, à l'instar d'une fillette qui aspire à l'adolescence, a abattu un travail dont les traits essentiels peuvent sommairement être déclinés comme suit. Plusieurs formations à l'intention des hommes, des femmes, des jeunes, des filles et des jeunes garçons sur les droits de l'homme, sur la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'impunité des crimes graves et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Plusieurs missions de plaidoyer au niveau provincial, national et international, en vue de contribuer à la consolidation de la démocratie, de la protection des droits de l'homme, ainsi que de la lutte contre l'impunité. La CAJ a organisé et participé à de nombreuses campagnes de mobilisation pour le retour de la paix en RDC, ainsi qu'à la ratification des instruments juridiques internationaux et nationaux de protection des droits de l'homme. Elle a assuré la défense de plusieurs victimes de violations des droits de l'homme, dont les opposants politiques, les membres des ONG, de la société civile et des mouvements citoyens. La CAJ participe
à côté des autres organisations, en coordination et collaboration avec le gouvernement de la République, dans la sensibilisation des opérateurs économiques, principalement des importateurs, afin de les pousser à respecter les lois de la République en vue de permettre aux citoyens congolais d'avoir accès à la nourriture suivant les prix tels que convenus avec le gouvernement. Bien sûr, l'œuvre à accomplir reste immense. Notre priorité est claire, c'est la ratification par la RDC et l'application réelle des conventions existantes en matière de protection des droits de l'homme, mais surtout, notre lutte vise à faire accéder les Congolais à la jouissance de leurs droits sociaux et économiques. Nous ne réussirons ni par la contrainte, ni bien sûr à nous érigeant en donneur de leçons, mais en discutant, en portant notre voix auprès des autorités de la République. La condamnation, la dénonciation sont nécessaires, mais nous pensons qu'il faut continuer à privilégier le dialogue, principalement avec le gouvernement. Fut-il critique que nous pourrons arriver à des solutions. Nous avancerons d'autant plus vite que nous saurons mieux prendre en compte la diversité de notre pays, laquelle doit se nourrir d'une déclinaison des principes essentiels qui expriment la richesse de la nation congolaise. Pour affirmer davantage notre diversité, nous avons besoin d'une construction nationale plus solide et plus homogène. Pour ce faire, les ONG que nous sommes, nous devrions rester mobilisés et parler d'une voix crédible pour que les institutions étatiques et non étatiques, ainsi que les partenaires bi- ou multilatéraux, relaient notre action. Honorable Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, défendre les droits de l'homme, c'est agir résolument en faveur des plus faibles et des plus vulnérables. Le combat pour la dignité et les libertés doit s'accompagner d'une politique active de lutte contre l'exclusion, car il n'est pas admissible que, dans un pays dont les ressources présentée comme croissante, l'écart ne cesse de se creuser entre les riches et les pauvres. Il est donc urgent que le gouvernement de la République se mobilise, comme il le fait déjà, sous l'autorité du président de la République, pour faire progresser avec les organisations de la société civile l'esprit d'humanisme auquel aspire le peuple congolais, parce que rien n'est jamais acquis. Et quand la matière n'est pas avancée, c'est reculer. Que signifierait la liberté? Alors qu'il existe dans notre pays des zones de non-droit où certaines libertés élémentaires, celle d'aller et de venir à sa guise, celle d'exercer en paix son métier, celles de voir ses biens protégés ne sont pas assurées. Les zones où la violence et l'exploitation illicite des ressources naturelles se développent et gagnent du terrain. Il nous faut réinventer une grille pertinente de lecture pour la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Qu'en est-il, par exemple, de la liberté? Car la présomption d'innocence, pourtant inscrite dans notre charte fondamentale, est quotidiennement bafouée. Combien de compatriotes, aujourd'hui poursuivis ou même emprisonnés, en attente de leur procès, sont-ils reconnus innocents par des décisions qui n'effaceront pas les immenses préjudices subis dans leur être et dans leur vie familiale? Rétablir les principes de la présomption d'innocence
devrait être l'un des piliers essentiels de la réforme de notre appareil judiciaire. Qu'en est-il de la fraternité et de la tradition moderne, la solidarité, quand cette autre forme de discrimination, le rejet de l'autre, se diffuse insidieusement et s'insinue dans les débats publics. Le tribalisme, actuellement relancé par certains esprits politiques mesquins, est un fléau qui s'attaque au fondement même de notre société. Bien sûr, les Congolais ne sont pas et n'ont jamais été un peuple tribaliste. Ils l'ont amplement démontré par le passé. La tentation du tribalisme, les fantasmes xénophobes, se nourrissent notamment de la peur de l'avenir, de l'inquiétude face à des changements que l'on ne peut pas maîtriser. Dès lors, il revient à l'État de prendre en compte ses craintes et d'y répondre. Il revient à l'ensemble du corps politique ainsi que social de rester vigilant et dénoncer publiquement tous les discours d'appel à la haine tribale, ethnique et au meurtre. En matière de discours séparatistes, l'intransigeance doit être la rigueur. Il n'y a pas d'accommodement possible lorsque la tolérance, le respect de l'autre, la dignité humaine sont en jeu. À l'âge de l'information, les réseaux de communication permettent de mieux comprendre l'autre, dans sa différence, dans sa complexité, dans son humanité. Ils doivent faire progresser la fraternité, la tolérance et le respect mutuel. Positive lorsqu'elle place l'homme au cœur de leur fonctionnement, ces technologies ne sont pas sans grand danger. Par contre, utilisées comme lieu d'expression des messages séparatistes et autres attentatoires à la dignité humaine, elles deviennent source potentielle de fractures sociales. Le développement pose aussi la question du respect de la vie privée et de la liberté de chacun. Alors que c'est d'abord des fichiers de plus en plus sophistiqués, des méthodes d'investigation de plus en plus efficaces, il est nécessaire d'assurer la confidentialité des données personnelles, de prévenir les atteintes à la liberté individuelle et de garantir la protection des enfants et ainsi soustraire notre jeunesse des égarements constatés récemment à Kinshasa à l'occasion de la divulgation des images obscènes et choquantes pour nos mœurs. Sans entraver la liberté, la libre diffusion de l'information et les échanges entre les hommes, le moment nous semble venu pour que le gouvernement, à travers les ministères compétents, de fixer les règles du jeu pour préserver la société de toutes ses dérives. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de saisir l'opportunité que m'offre le 10e anniversaire de la CAJ pour rappeler, contrairement à ce qui est généralement distillé dans l'opinion, que les ONG des droits de l'homme ne sont pas des ennemis, encore moins des opposants à un quelconque système politique ou social. Elles sont tout simplement des porte-voix de sans-voix. Elles ont néanmoins la capacité d'être audibles auprès des décideurs et ainsi obtenir d'eux la satisfaction des besoins du plus grand nombre. Le rôle de la CAJ et d'autres organisations sœurs est essentiellement de nourrir le contrôle citoyen sur la gestion de la chose publique et d'en dénoncer les dérives telles que la corruption, la concussion, le détournement des deniers publics,
le blanchiment des capitaux et autres travers contraires à la bonne gouvernance qui impliquent la violation des droits fondamentaux de l'homme. Donc, notre mission consiste à lancer des alertes en vue d'attirer l'attention des décideurs sur des agissements contraires aux engagements vis-à-vis de leur serment. Nous sommes des intermédiaires, encore mieux, des relais sociaux nécessaires entre les gouvernants et les gouvernés. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, un anniversaire n'est pas seulement un moment fort où s'accomplit le devoir de mémoire, sa célébration nous engage et nous oblige. Le combat pour les droits de l'homme est un combat magnifique, exigeant, pour lequel certains perdent la vie ou la liberté. Nous devons les mener ensemble avec l'appui de notre peuple, car la pression des citoyens, la puissance de l'opinion publique sont les armes les plus efficaces contre la violation des droits de l'homme. La déclaration de 1948 a donné aux hommes l'instrument dont ils ont besoin pour dire que quelle est la loi à ceux qui la font. Manifestation d'une conscience universelle, elle place les droits au-dessus des États et l'homme au cœur du politique. Elle est le socle d'un État de droit qui est la soumission de l'État à la loi et la garantie de l'État du respect de cette loi. De la sorte, nous serons dignes du renouveau congolais qui nous revient de réinventer pour que puissent exister désormais des citoyens congolais libres et aimés. Puissent les dieux tout-puissants continuer à illuminer de ses bienfaits les sillages tracés par la CAGE et toutes les organisations non gouvernementales des droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre particulière attention. Distingués invités, merci pour cette prise de parole surprise. D'emblée, je remercie mon collègue, l'ami et frère Jacques, qui m'a précédé, pour ses paroles, c'est mon endroit. Mon témoignage sera bref. Bref, plutôt. Mon témoignage sera bref, excusez-moi. Il y a trop de lapsus liés. Mon témoignage est bref. Pourquoi bref? Parce que je considère que les problèmes d'accès à la justice sont devenus des problèmes tellement interpellateurs qu'il nous revient aujourd'hui à dire que l'accès à la justice est le corollaire de l'accès à l'état de droit. Parce que l'état de droit a comme socle la justice. La justice est le commencement, même la fin de l'état de droit. L'accès à la justice, c'est donc l'accès à l'état de droit. On ne peut pas accéder à l'état de droit sans avoir accès à la porte de la justice. Et donc le travail que Georges et la CAGE fournit depuis 10 ans est un travail remarquable. Je dis que mon intervention sera brève parce que finalement, quoi témoigner de la cour Georges, c'est l'exemplarité. L'exemplarité. Chacun de nous, par rapport
l'accès à la justice, à l'accès à l'état de droit, par rapport à la lutte contre les antivaleurs, doit prêcher par l'exemplarité. Georges l'a fait. Regardons-nous au quotidien, responsables ou pas responsables. Trop de mots pour peu d'exemplarité. L'exemplarité en matière de droits de l'homme, d'accès à la justice, d'accès à l'état de droit, commence par le regard qu'on a sur le prochain. Commence par notre manière d'agir dès que nous avons la possibilité d'avoir des fonctions. Est-ce que nous sommes exemplaires? Qu'est-ce que nous léguons à la prochaine génération? Donc Georges, 10 ans, combien de fois nous vous avons rejoint pour parler? Lutte contre la corruption, lutte contre les détournements des deniers publics, des milliards qui partent dans la caisse de l'État, violation des droits civils et économiques, des droits sociaux. En quoi mesure-t-on notre exemplarité? Chacun de ces deux conseils. Parce que c'est cela le critère de bonne gouvernance, l'exemplarité. Donc, Georges, j'ai le plaisir de vous féliciter parce que je suis venu mieux que ces discours publics, moi-même à la cage, pour vous dire qu'au vu de votre combat, je suis membre de la CAGE. C'est mon meilleur témoignage. Je me réjouis de prendre la parole après le professeur Ndoli et le professeur Luzou, qui sont mes aînés. C'est la raison pour laquelle je serai absolument mort. Parce que d'abord, quand on est plus jeune, on peut se le permettre. Donc, vous êtes affecté, je ne serai pas bref. Je suis ici en fait pour féliciter Georges et toute l'équipe de la CAGE pour le travail qui a été abattu en 10 ans d'existence de la CAGE. Et nous, c'est-à-dire moi-même et l'institution que je dirige également, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, l'IDGPA, nous nous sommes croisés à un moment donné, historique, avec Akage et avec Georges. Nous avons mené plusieurs combats ici au pays. Je me revois encore à Chantilly, en France, lorsque, sous l'invitation de l'IDGPA, Akage était associé à ce que nous avions appelé à l'époque Manifeste du citoyen à l'époque. Et Georges était là, et Akage était là. Et chaque année, vous le savez, l'IDGPA a toujours organisé une activité pour commémorer l'existence de la Constitution de la République. Et chaque fois, Georges et Akage ont été des nôtres. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour les féliciter et pour les encourager. Et mes prédécesseurs l'ont dit, vous savez, le droit constitutionnel, fondamentalement, c'est le droit des droits de l'homme. Et pas nécessairement le droit qui s'attache aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'État. Parce qu'en fait, si les institutions sont organisées, c'est pour servir cet objectif-là, les droits humains. Et si elles doivent fonctionner tel que nous l'enseignons dans le cours de droit constitutionnel, l'objectif fondamental, c'est la protection des droits humains, entendu dans un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire pas seulement des droits civils et politiques, mais aussi des droits socio-économiques, des droits culturels, les droits des peuples, et ainsi de suite, s'il faut s'inspirer des enseignements comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les droits de l'homme sont donc, je dirais, le terminus aquo
Et le premier ministre a du problème du droit constitutionnel. Je félicite donc Georges et les amis pour avoir cette idée-là au départ de créer une organisation, pas un cabinet pour faire de l'affaire, pour faire de l'argent, mais une organisation pour défendre les droits de l'homme, et on l'a dit à plusieurs reprises, sans droits de l'homme, il n'y a pas d'humanité. Sans droits de l'homme, il n'y a pas non plus de citoyenneté. Et c'est pour protéger les droits de l'homme que les communautés humaines sont parties de l'état de nature pour en arriver à l'état tel que nous l'avons aujourd'hui. Et ce n'est pas n'importe quel droit de l'homme. Et comme je disais que j'avais promis d'être très long, je voudrais m'arrêter là. Félicitant, réitérant nos félicitations, félicitations personnelles, félicitations également de mon institut, l'IDGPA, pour le travail que vous avez abattu, mais ce travail doit continuer. Il n'y a pas de plus grand bénéfice que de défendre les droits de l'homme. Et si je voulais être un peu plus religieux, et lorsque vous lisez le discours sur la montagne, le Seigneur qui monte sur la montagne, et ce qui est repris dans Matthieu, les béatitudes, c'est la justice qui revient. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car eux au moins ils seront rassasiés. Donc c'est un combat qui vaut la peine, et c'est un combat qui, s'il faut paraphraser Nelson Mandela, dans le discours de Rivonia lorsqu'il était condamné à mort, c'est un combat pour lequel, s'il le faut, même s'il le faut, c'est un combat pour lequel on peut même mourir et sacrifier sa vie. Vous avez été très bien et d'autres qui ont perdu leur vie parce que c'est le meilleur combat qui soit et qui vaille la peine d'être mené. Je vous remercie. Warriors, c'est vrai, guerriers en français, mais dans de bonnes armées, il y a toujours un principe sacro-saint, c'est celui de la solidarité. C'est comme la plus grande armée présentement du monde, c'est que un Marines ou un militaire américain n'abandonne jamais son ami ou son compatriote ou son frère d'armes. Il faut toujours voler à son secours. Celui qui est devant vous a une délicate mission, très délicate mission, c'est qu'il est le ministre des droits humains. Or, vous savez que le ministre des droits humains, généralement, c'est un mal-aimé. Et mal-aimé de ceux qui dirigent en usant de la force. Les autocrates n'aiment pas les défenseurs des droits de l'homme. Et de surcroît, le ministre des droits humains. Et un ministre des droits humains qui est toujours en phase avec tous ses collègues ne peut pas être un bon ministre. Sinon, il fait de la complaisance. C'est comme ça que, de temps en temps, vous suivez que pour tel ou tel autre sujet, le ministre des droits humains est à l'antipode d'une position défendue par tel ou tel autre membre du gouvernement. Ne vous étonnez pas, lors du tout premier conseil de ministres que son Excellence Monsieur le Président de la République l'avait dit, il se faisait fort de soutenir et d'accompagner particulièrement le ministre des droits humains parce que son domaine les préoccupait au plus haut point. Il ne pensait pas si bien dire parce que lorsque nous avons organisé le premier dialogue en République démocratique du Congo, dialogue bilatéral entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur de ces grands pays nous dira « Monsieur le ministre, pour nous, votre portefeuille est le plus important ». Parce que non seulement qu'il est très transversal, mais pour nous, il aidera votre pays. Lorsque les droits humains sont très bien respectés, il aidera votre pays
à bénéficier des retombées de la coopération. Il pourra même être admis à l'AGOA. Vous connaissez ce que c'est l'AGOA. C'était juste une petite introduction. Honorable député, honorable sénateur, distingués invités en vos titres et qualités. Je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous cet après-midi pour ce que nous tous savons. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, en sigle ACAJ, est une association que nous avons connue avant même notre avènement au gouvernement en qualité de ministre des droits humains et que nous avons toujours respecté du fait de son ancrage social indébitable. Et avec la cage, justement, la personne qui représente cette ONG. C'est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d'une organisation qui œuvre pour les autres. Cela montre sa bonne santé et sa capacité à surmonter les épreuves du temps. Cette capacité de durer est la plus belle preuve de réussite. Cela montre que, 10 années après, les porteurs du projet ACAJ ne s'y sont pas trompés. Ils ont su accompagner de manière substantielle les pouvoirs publics congolais en matière de protection des droits humains. Cette longévité montre aussi que l'ACAJ, malgré les vicissitudes sociaux, politiques et économiques à travers les temps, a toujours porté un discours en phase avec sa refondation qualitative et la société congolaise. Cela montre une capacité de résilience qui mérite d'être saluée. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre présence en cette cérémonie est une preuve inéluctable de la disponibilité des ministres, j'allais dire des Warriors, de votre gouvernement à traduire dans les faits les engagements solennellement pris devant le peuple par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quant à l'instauration d'un état de droit, ingrédient crucial pour la restauration de la dignité du peuple congolais à travers la construction d'une croissance inclusive, gage d'un bonheur collectif et d'une prospérité partagée. C'est pourquoi, profitant de cet événement qui nous rappelle que l'homme est l'alpha et l'oméga de toute gouvernance, je voudrais indiquer les différents segments des engagements du gouvernement et spécifiquement de notre ministère en faveur de la promotion, la défense et la protection des droits humains. Il s'agit notamment de promouvoir et protéger à tout moment les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que les libertés fondamentales garanties par la Constitution et les instruments internationaux auxquels la République démocratique du Congo est partie, et particulièrement concernant le droit des femmes et des enfants. Secondo, promouvoir un esprit républicain, la paix, les dialogues, le respect des institutions, d'une société civile diverse et des médias indépendants et responsables pour la consolidation d'une démocratie apaisée mais vivante. Trois, garantir une expression politique et publique apaisée qui écarte tout appel à la violence, à la haine ou à la discrimination pour des raisons ethniques, politiques, raciales et du genre. 4. Garantir les libertés d'expression et d'action des journalistes et de la société civile, en particulier l'indépendance et l'intégrité des journalistes, des organes de presse, des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme dans leurs actions militantes. 5. Engager et mener des procédures judiciaires contre tout auteur de violations de droits humains et des crimes. 6. Prendre des mesures nécessaires pour mener à leur terme
les procédures judiciaires, l'organisation des procès, rechercher, poursuivre et juger dans le respect des droits, dans le respect des normes internationales, les auteurs présumés de violations graves des droits humains et en n'accordant aucune immunité aux auteurs de ces crimes. 7. Garantir l'indépendance de la justice, coopérer avec les autorités judiciaires et garantir un budget suffisant pour mener à bien des procédures équitables, impartiales et respectueuses de droits inaliénables des victimes et de la défense. Ainsi que de promouvoir et garantir des enquêtes indépendantes et impartiales sur les violations de droits humains. 8. Poursuivre les efforts déjà entrepris en faveur de la modernisation de la justice, notamment amenant à bien la réforme des principaux textes nationaux en veillant qu'ils soient conformes à l'ensemble des instruments internationaux de protection des droits humains auxquels notre pays est parti. 9. Continuer d'améliorer la transparence, la gouvernance démocratique, la lutte contre la corruption, l'état de droit, notamment dans les nominations, les pratiques des institutions et des agents de l'État. 10. Promouvoir le respect des droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits au travail, les droits à s'organiser en syndicat, les droits à la sécurité sociale, la protection de la famille, de la maternité et des enfants, les droits à un mode de vie convenable, les droits à la santé et les droits à la formation. L'amélioration des droits économiques, sociaux et culturels ont pour conséquence l'amélioration des conditions de vie de la population et l'épanouissement personnel des Congolais, et c'est quelle que soit la couche sociale. Ce qui, à court et moyen terme, favorisera l'augmentation notamment du pouvoir d'achat de la population et l'émergence de la classe moyenne, et à long terme, la création des emplois et le développement durable de la République démocratique du Congo. In fine, la promotion des droits économiques, sociaux et culturels permet notamment de lutter contre la pauvreté. Pour rappel, la lutte contre la pauvreté constitue la colonne vertébrale du programme du gouvernement tiré de la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Mesdames et messieurs les responsables des ONG, les assignations ci-dessus déclinées doivent être implémentées dans le corps social pour qu'elles soient l'œuvre de chaque Congolais. Le gouvernement de la République seul ne peut rien. C'est pourquoi il tient à s'appuyer sur le corps intermédiaire et indispensable que vous êtes pour que le travail de socialisation de notre peuple ait in fine son adhésion ferme aux engagements du gouvernement, au point qu'il s'est regardé en chien de faïence. Notre présence à cette manifestation est l'illustration que la direction de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, les paradigmes d'approche s'est substantiellement amélioré. Et pour cause, un défenseur des droits de l'homme n'est pas l'ennemi du gouvernement en place. C'est quelqu'un qui défend n'importe quel droit fondamental au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes et cherche à promouvoir et protéger les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. En guise de garanties supplémentaires, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre effective de la résolution 5344 ou déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, car il s'agit là d'un instrument important qui s'adresse non seulement aux États et aux défenseurs des droits de l'homme, mais à tout un chacun. Elle souligne que nous avons chacun un rôle à jouer en tant que défenseurs des droits de l'homme et que nous participons tous d'un mouvement mondial en faveur des droits.
autant vous dire que notre volonté politique manifeste de protéger les défenseurs, de lutter contre l'impunité, des attaques à leur encontre et de faciliter leur travail est essentielle pour prévenir et éradiquer les attaques contre eux. Il est donc essentiel que ces mécanismes soient construits et mis en œuvre en étroite collaboration avec les défenseurs de façon à leur assurer une effectivité optimale et à prévenir un usage contraire aux objectifs affichés. Ces mécanismes doivent aller au-delà des mesures immédiates de protection et doivent inclure des dispositions relatives à la lutte contre l'impunité et remédier aux causes structurelles qui contribuent à la situation précaire des défenseurs en matière de sécurité. Cependant, à travers vous, nous voudrions lancer un appel patriotique à l'endroit de certains compatriotes qui, sous couvert d'une soutane de défenseurs des droits de l'homme, s'adonnent à cœur joie à la construction, à la déconstruction consciente de notre vouloir vivre collectif, pour reprendre l'expression d'Ernest Renan, cher au grand constitutionnaliste que nous saluons ici. Notre vouloir vivre collectif, disais-je, par toutes sortes de manipulations de l'opinion. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer la paix, l'unité et la démocratie chèrement acquises pour des intérêts sordides et personnels. Il est aussi de votre devoir de dénoncer et pourquoi pas combattre tous les moutons noirs qui risquent d'obscurcir les combats valeureux que vous menez aux côtés du gouvernement pour restaurer le peuple congolais dans sa dignité, lui confisquée depuis plusieurs années du fait d'une gouvernance patrimoniale aujourd'hui révolue. Distingués invités, en vos titres et qualités, nous saluons un autre grand défenseur des droits de l'homme à la personne de M. l'inspecteur général de finances. Ce qu'il fait, c'est défendre effectivement les droits de l'homme. Puisque nous avons parlé de la dernière génération des droits de l'homme, les droits économiques et sociaux. Ce sont des droits fondamentaux. Vous avez le soutien de toute la population et le soutien du gouvernement. Avant de clore notre propos, qu'il nous soit permis de renouveler nos appréciations au président national de la CAGE, ainsi qu'à toute son équipe, pour la parfaite organisation de la présente cérémonie d'anniversaire. Puisque nous avons parlé anniversaire, qu'il nous soit permis de faire une petite digression avec votre autorisation. Est-ce que Chris Kapiamba peut monter ici, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut bien applaudir ce jeune monsieur? Personne ne vous l'a dit, c'est son anniversaire, il fête ses 9 ans. Joyeux anniversaire, Chris. Je vous remercie. Attends, je salue le ministre. Thank you.
les enfants d'abord. Parce qu'il y a les ministres qui ont besoin de voir. Il va défendre le besoin des enfants. J'en ai encore un peu. Thank you.